Et que c'est jusqu'à 22h, on retrouve sur place Laurent Marot et Sofiane Dehi. Alors Laurent, il y aura donc des interventions hein, tout à l'heure, notamment un point sur l'accord de Guyane, Laurent. Oui, tout à fait. Plusieurs centaines de personnes ici sur la place des Palmistes. Vous l'entendez derrière moi au son des tambouins, également animés par des chanteurs tels que Lexios ou encore plus tôt dans la journée, Saïna Manot. À mes côtés, Yvan Goua, la présidente de Trop Violence et des 500 Frères, deux associations qui ont donc organisé cette journée de commémoration. Yvan Goua, bonsoir. Bonsoir. Alors très simplement, quel message concrètement avez-vous voulu faire passer avec cette journée de commémoration ici sur la place des Palmistes? Que nous sommes encore là, que nous sommes encore et toujours là, que nous sommes toujours aussi déterminés qu'en 2017 et qu'on veut voir mettre en œuvre 100% des accords de Guyane. Alors sur les accords de Guyane, on a bien observé qu'il n'y avait plus de réunion à la préfecture, aucune réunion en 2020 de suivi de ces accords. Vous, Trop Violence, les 500 Frères, vous êtes mobilisés sur plein de causes différentes. Est-ce que vous n'avez pas perdu de vue un petit peu le suivi, mois après mois, de ces accords de Guyane? Non, puisqu'en fait, depuis 2019, on n'arrête pas de réclamer ces comités de suivi qui se faisaient en fait avec les Iguanes de l'Ouest, avec plusieurs acteurs dans la justice. Et on avait du coup au départ de Fort, le dernier comité s'est tenu le 26 octobre 2018. Et à l'arrivée de Delgrande, on pensait que ça allait reprendre. Et pas du tout. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas les suivis, c'est surtout parce que la préfecture et l'État ne veulent pas rendre compte sur ce qui est mis en œuvre réellement sur les accords de Guyane. Alors il y a tout de même des lycées en chantier, des collèges également. On annonce le CHU pour 2025 pour la Guyane. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher encore comme mesure? On pense notamment aux mesures additionnelles, hein, 2 milliards d'euros qui avaient été réclamés, qui devaient être étudiés par le gouvernement, qui ne l'ont pas vraiment été à l'issue des accords de Guyane. Le désenclavement routier, qu'est-ce qu'il faut aller chercher concrètement encore? Déjà en premier lieu, en tout premier lieu, c'est le respect des Guyanais, le respect de ce mouvement et le respect en fait des accords pris de manière générale. On a marché contre l'insécurité, aujourd'hui on se rend compte que l'insécurité repart de plus haut. Et en fait, si les établissements scolaires sont sortis aujourd'hui, c'est bien parce que nous sommes restés sur le terrain encore en 2018, en 2019 et 2020. Et si aujourd'hui il y a le CHU, c'est parce que nous étions encore là avec Mayuri Santé Guyane. Voilà. Est-ce qu'il faut créer un nouveau collectif pour la Guyane décollée ou qui s'appellerait autrement concrètement? S'il faut, on le fera. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est toujours les mêmes acteurs qui sont là. Trop Violence, les 500 Frères et tous les autres, l'UTG, etc. Merci donc Yvan Goua. La fête se poursuit ici. Fête de commémoration donc de la marche du 28 mars sur la place des Palmistes jusqu'à 22h, Nickerson.